une très très grande histoire d'amour. Christophe Alévêque, bonsoir, et je me présente. Moi, c'est un homme, hein, dans le jargon des parasites alimentaires. Hein, on pourrait dire que je suis une sorte de ver solitaire, hein, de l'amour. Hein, c'est vrai que si je devais me définir, eh bien, je dirais que je me sens un peu comme une paire de pneus neige, hein, qu'on aurait offerte à une famille de Somaliens. Et que du coup, malheureusement, eh bien, personne ne mente jamais. Et c'est un peu dommage. Hein, bref, je suis célibataire et ravie, hein, de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie, hein, que même si côté loup, hein, comme les Stéphane Guillon et autres Didier Porte, hein, vous affichez votre rebelle attitude anti-sarcosiste avec cette petite barbe poivre et sel, hein, qui vous rajoute un bon 10 ans dans la gueule, c'est pas tous les jours. C'est pas gentil. Mais ça vous va bien. C'est pas tous les jours qu'on rencontre un humoriste de talent, hein, qui sans avoir évidemment la dimension sociale d'un coluche, a tout de même décidé, hein, de se présenter à la présidentielle de 2012, hein, sous le pseudo de super rebelle, hein, candidat qui s'adresse aussi bien aux frustrés, hein, qu'aux angoissés et autres impuissants, hein, leur promettant qu'ensemble tout devient super possible. Et vous savez quoi, ça tombe super bien, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, étant malheureusement aussi frustré qu'angoissé, hein, par le nombre d'années, hein, qui se sont écoulées depuis la dernière visite, hein, de ma vie à témoin, hein, à l'occasion des 75 ans de mon pépé, eh bien sachez que si pour une fois, hein, tout pouvait vraiment devenir possible, eh bien j'aime autant vous dire, hein, que je serais plus que ravi à l'idée de vous donner ma voix, hein, aussi bien celle avec un X que celle avec un E. Hein, les deux orthographes peuvent convenir, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et en parlant de donner de la voix, hein, j'ai découvert qu'après avoir dangereusement collaboré, hein, pendant près de 10 ans avec Laurent Ruquier, hein, ce qui en termes d'effet secondaire est un peu l'équivalent, hein, du tabagisme passif, hein, pour l'humour, eh bien s'entend probablement qu'il était temps pour vous, hein, de diversifier vos activités, eh bien vous vous êtes lancé dans la chanson, hein, en créant le groupe à l'évêque et son groupeau, hein, à qui on doit des tubes, hein, tels que Mon Doudou, hein, Vive le cul, ou encore cette reprise formidable, hein, de Mille Colombes, hein, de Mireille Mathieu, hein, une chanson qui vous a valu, hein, de vous faire entartrer, hein, lors du Festival d'Avignon en 2007. Et vous savez quoi, eh bien d'une certaine manière, ça nous fait quasiment un point commun supplémentaire, hein, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, hein, ayant été élevé par un père, hein, qui en sa qualité de CRS, hein, m'a appris très tôt à déguster, hein, les nombreuses tartes, hein, qui me mettaient dans la gueule, eh bien sachez, hein, que si l'envie de passer derrière les fourneaux vous prenez, eh bien, j'aime autant vous dire, hein, que ma patte brisée moi-même, hein, serait absolument ravie, hein, à l'idée de nous laisser napper, hein, par votre chantilly, si vous m'autorisez cette métaphore un peu olé olé. Hein, sur cette petite confidence, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien j'aurais tenté ma chance en Pologne, hein, où la bière est désormais autorisée dans les stades. Hein, donc si comme moi, hein, la canette qui est en vous, hein, n'a qu'un souhait, celui de se faire décapsuler, eh bien n'hésitez pas à aller rejoindre le président. Avec bon cœur.